Salut tout le monde! Revenons dans Shadow of the Awakening où je suis un petit peu vénère. Parce que même si j'ai récupéré tout mon monde, je pense que j'ai grillé les quêtes secondaires ou au moins la quête secondaire que j'avais dans la ville locale. Donc je sais toujours pas comment elle s'appelle. Puisque je doute qu'on puisse retourner dans cette ville. Hein, après ce qui s'est passé. Alors. Cela va-t-il charger? Puis bon, je suis aussi un peu. Ça me fait aussi un peu chier de ne pas avoir pu tester les autres dialogues. Alors je doute que les autres dialogues aient amené quoi que ce soit de particulier, à part du lore. Parce que clairement, là, vu le twist dans la quête. Je doute que ça ait pu amener d'autres choses. Ok, un bâton niveau 18, c'est sympatoche. On redoute ce que savent les Ishkai. Oui, bah ça, on a bien compris. Ah bah, il y a assez de taf. Ah oui, des plumes rasoir écrasera les Ishkai et nous avec. J'aurai un plan, mais il faut plus de temps. Ah, hein. Spectre verreux. Pantif de noble, c'est un truc qui rapporte du pognon, ça je crois. Je crois, si j'ai pas de bêtises. Non, 200 points de vie. Ouais, quand même. Quand même. Je me demande si pour Carissa, ce serait pas intéressant ça. Parce qu'elle a un truc 20% pouvoir de guérison. Je pense que 20 pour, que 200 vie, ça peut être utile pour elle. Bon. Je peux retourner au bac à Lizard. Ce serait un peu con. Je voulais aller voir au camp frontalier parce que je suis censé. La marionnette suivante est nécessaire pour continuer. Ah oui, c'est vrai. On peut pas aller au camp frontalier sans art. C'est pas faux. Il y a une quête, donc cette fameuse quête donc, que je pensais qui n'était pas possible, mais qui du coup le sera peut-être. Allez savoir. Demande d'aller parler au responsable de je ne sais plus quel clan. Alors je ne sais pas si c'est ici, je ne sais pas si la personne va se trouver au conclave. Bien que j'ai dissous le conclave. C'est dur à dire, la personne se trouve peut-être. À Kalizar, pour ce que j'en sais, elle peut être n'importe où, la personne. Donc c'est la quête à court de bâton. Se renseigner auprès du clan, du clan griffe argenté. Il faut trouver le bâton du dernier chaman griffe argenté pour mettre fin aux querelles concernant les mines de la maison des aigles. J'ai aucune idée d'où on peut trouver ces gens du clan griffe argenté.
Donc je vais faire tout le tour de ce camp. Si c'est pas là, je vais aller voir au. Au conclave. Et si c'est pas là, c'est que ça doit être quelqu'un quelque part à Kalizar, mais je sais pas qui. Vous avez l'air d'être des chamans là. Il n'y a aucun d'entre vous qui comme des griffes argentées. Je vous demande si non, c'est pas le clan de je sais même plus comment il s'appelle, le chaman là qui est au conclave, je crois pas. Toi, tu peux pas viser, je pense. Well. Non. Elle ne peut pas te renseigner. Je pense pas que ce soit ici. Je pense qu'il va falloir qu'on aille dans. qu'on aille avec l'autre chaman. Après, l'autre chaman, en théorie, il est plus au conclave. On est censé l'avoir envoyé pour faire le chant éternel. C'est vrai, en théorie, il est plus au conclave. Alors, Langak, il est là aussi. Langak, voyons. Le mec est littéralement partout. Ouais, c'est pas ici qu'on trouvera quelqu'un. Je vais quand même aller au bout, parce que je sais qu'il y a un mec au bout, mais je crois pas que ce soit... Non. Alors, on va aller à la caverne de l'ermite, parce qu'en théorie, c'est là qu'il est censé être ce chaman. Je sais pas si c'est le bon, hein, si le mec a le bon, est du bon clan, je crois pas. Et après, j'irai regarder le sommet de la ziggourate, et si vraiment il n'y a personne nulle part... Bon, là, j'aurais pas vraiment d'autre choix après. Alors, c'est ça, il est la crec. Il parle pas à crec, il est ermite. What is it? J'ai apaisé les esprits. Je n'avais même pas dit à lui que je les avais apaisés. Les esprits nous ont accordé la bénédiction que nous souhaitions. La bénédiction sera levée lorsque 7 fois 7 lunes seront passées. Oh, ça fait quand même 49 mois, ça fait quand même 4 ans, quoi. Je peux jamais... Je vais continuer l'échange sans fin, donc pas encore 4 ans, quoi. Oui, allez. Là encore, il y a un problème de traduction, le mec me parle de trucs. Spit it out. I should go.
I should go. Bon, du coup, on a gagné un anneau, c'était pas du tout prévu. Anneau Dakar. On a fait Zulgourb. On a gagné, ça y est. L'essence au gel, l'argent, dégâts combattants. Oui, pas super cet anneau. Hein. Plutôt useless, j'ai envie de dire. Ouais, il est plutôt merdique. Bon. C'est pas ces gens-là. On va tenter au sommet de la ziggourate. Voir si les autres membres du conclave sont par hasard arrivés. Je pense pas du coup que ce soit là. Ziggourate du soleil. Souls remain here to be devoured. Ouais, ouais, ouais. This place is familiar. Non, il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Ouais, bon. Bah, malheureusement, ça veut dire que je n'ai aucune idée d'où trouver la personne que je cherche. Bon, il faudra que je cherche dans le bac à Lizard, hein. Il se peut que ce soit le mec qui est dans la mine, hein, en fait, ce gars-là. C'est jamais, hein. We have returned to finish what we started. Nous sommes revenus finir ce que nous avions commencé. Ah non, ici on a déjà fini là, on a tout fini. On a même ramené la couronne du serpent là à Nidug, ou je Grabak ou Bragak, ou je sais plus comment il s'appelle. Nidug quoi. Si on est dans le bac, il y a Lizard. Non, on peut rien faire. La griffe argentée, c'est bien eux, pourtant. Ils sont enseignés auprès du clan griffe argentée au sujet des conflits dans la maison de l'aigle. Moi, je demande pas mieux, mais ils veulent pas me parler, ces gens. What is it?
House of the Eagle's minds will remain silent until our demands are met. If you have something to discuss with the Greyclaws, take it up with Tenok. We Greyclaws are the finest slave masters the minds of Corwent have ever seen. House of the Eagle must meet our demands. Mais vous voulez pas travailler tant que vous n'avez pas votre dû, mais c'est quoi votre dû, les enfants? J'essaie d'aller voir en haut, hein, parce que... Je suis renseigné auprès du clan Griffe Argenté, non, je... Ok, petite interruption, on revient. Alors, on veut aller voir où sa maison de l'aigle qui nous intéresse, mais la maison de l'aigle, la dernière fois qu'on y allait, elle était fermée. Ça me fait un peu suer pour rester poli, parce que... On a une quête, les mecs ne veulent pas nous parler, les mecs à qui on est censé parler pour la quête, et l'endroit où se passe la quête, il est fermé, on peut pas rentrer. Ouais, c'est verrouillé, je peux pas quoi. Je peux rien faire, hein. Donc cette quête, c'est assez original, mais je... Les mecs à qui il faut parler, c'est clairement les mecs dans la mine. La griffe argentée, c'est eux, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Maison Malfagon, bon, ça on a déjà résolu la quête à la maison Malfagon. Ah, c'est original ça. C'est original. Ok, essaye encore, même joueur, essaye encore, joue encore. Je peux retourner dans cette maison? Non, bah ça, tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, de toute façon, c'est... Ça sert à rien, quoi, je tourne en rond pour rien, là. Je dois parler au clan de la griffe argentée, mais les gens ne me parlent pas. Et pourtant, elle l'a bien dit elle-même... C'est Zar qui doit faire les discussions, vous voyez. Bah Zar, rien. Les gens ne lui parlent pas. On peut encore entrer dans cette maison, si c'est le cas, c'est n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi là, les enfants. Je pense que cette quête là, soit il y a un bug, soit il y a quelque chose que j'ai raté, mais. Sur la Valkarine, non, t'es plus là. Hein. Thou shalt know despair. C'est quoi ça? Ah, une pierre d'ombre. Dis donc, j'ai bien fait de revenir.
Ça, j'avais déjà comme livre le Déicide. Bon, je sais pas vraiment ce que je peux éventuellement chercher ici, pas grand chose à mon avis. Ouais, y'a rien là. La salle où s'est tenue la réunion. I shall not falter. Y'a quelque chose qui reste dans cette salle, dans le monde des ombres? Non, rien. This foe is mine. Ouais, bah, y a pas grand chose en fait, hein, du coup. Bon, cette histoire de clan là, de griffes d'argent, normalement je suis censé leur parler, mais Zar n'a aucune ligne de dialogue avec eux. Donc même avec la meilleure volonté du monde, ça sera pas possible de faire quoi que ce soit. Donc bon, tant pis. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais un choix. Hein. Je veux dire, Zar a jamais eu d'option de dialogue avec eux, hein, même avant que je rencontre la Pentanera. Je peux toujours aller voir la taverne s'il n'y a pas encore une fois quelqu'un qui traîne là-bas, mais... à part ça, je ne vois pas là. Il n'y avait strictement personne quand je suis allé la dernière fois à qui parler. Je vois pas pourquoi ça aurait changé cette fois-ci. Et puis c'est hasard de parler, quoi, je veux dire, puisque ce sont des Témuriens et Lazare ne peut pas être sélectionné, donc il n'y aura personne ici. Je suis à peu près sûr qu'il n'y aura personne qui parlait ici. Tu es toujours là, Avenger? Ça biche? C'est un bug que tu sois là, mec. Je vois là si l'archonte Medlar a quelque chose à dire. Non. Il y a trop de gens qui ont rien à dire ici. Bon, tant pis, bah c'est une quête qu'on pourra pas faire parce que de toute évidence, il faut parler à des gens et on peut pas leur parler, quoi. De toute façon, je vais repasser à côté de la mine, je vais retenter une dernière fois la mine, mais je pense pas que ce soit possible. On va voir. J'ai déjà essayé deux fois, hein, il se passe rien, donc je sais pas, je pense que cette quête doit être buggée, je ne vois pas.
Je suis en train de regarder sur Google, personne ne parle de cette quête, mais ni en termes de walkthrough, ni en termes de bug, ni quoi que ce soit. Donc c'est difficile à dire. Est-ce que quand j'ai parlé au mec, je l'ai insulté ou quoi, je ne sais pas. House of the Eagles Mines will remain. What is it, Wolf? Ouais, quitter, enfin, vous pouvez rien faire de plus, rien dire de plus, donc bon, tant pis, on va passer à côté. Et on va retourner du coup dans les égouts, hein. Et tant pis pour cette quête. Je pense que ça n'empêchera pas de level up, hein. C'est dommage. J'aurais vraiment aimé être vraiment exhaustif. Et là, cette quête, l'objectif de quête, c'est aller parler au clan des Griffes Argentées. Ces gens ne me parlent pas. Donc je vois pas ce que je peux faire de plus là. D'anguille, ça rapporte que dalle. XP. Bon, 23 000 quand même. Hein. On a déjà vu pire. Je pense que c'est la même chose. 6 000 pattes. 21 000. Je ne vais pas faire le malin longtemps, je te le dis. Oh, un boss mille pattes. À 179 000 XP, ah ouais. Bon, ok, c'est 3, mais bon, c'est-à-dire 150 000 XP, l'espèce de gros mille pattes. C'est bien. Journal d'un réfugié, jour 1. Que nous dit ce journal ? Ok, quelqu'un qui a fui le règne d'une dame Bray ou je ne sais quoi et qui a trouvé refuge dans ces tunnels. Qui a dû finir dans le ventre d'un de ces poissons ou d'un de ces mille pattes, probablement. Ah non, c'est un petit mille pattes. Je crois que c'était un beau gros mille pattes et tout. Your life is forfeit. C'est un peu un labyrinthe ici, hein. Il va falloir tout refaire en façon démo, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de mobs à buter. C'est du mob qui rapporte 90 000 XP, hein, donc tu passes pas à côté d'une quantité pareille de mobs, hein, évidemment. Le spectre archer, il vaut combien? 90 000 XP aussi, hein. Je veux dire, vous gagnez tellement d'XP là sur les mobs que faut pas passer à côté, hein. La tentation de juste avancer est grande, mais nettoyer dans les deux mondes, là j'aurais évité 6 mobs, c'est-à-dire j'aurais fait un peu plus de 550 000 XP en fait. Hein.
parce que c'est plutôt 92 000 XP par mode, non? En 92 000 XP. Donc j'aurais fait, ouais, dans les 550 000, un peu plus de 600 000 XP, là. Avec ce dernier que j'ai tué, là. To reach the Ishkai Confederacy with haste. The sewers are our best route. Ah mais j'ai le micro coupé depuis tout à l'heure.
Niveau XP, le bash est beaucoup plus rentable depuis je trouve, le niveau 16 à peu près. Ah, un levier. J'arrive pas à l'utiliser. Donc avant d'utiliser ce levier, il va falloir en trouver un autre, quoi. On peut mettre des marques sur la carte? Non, on peut pas mettre de marques sur la carte. J'aurais bien noté l'endroit où est ce levier, moi. Bon. Ce levier est bloqué. Je suppose que c'est le levier qui commande l'ouverture de cette porte. Malheureusement, je ne peux l'ouvrir. Mais peu importe, il y a d'autres endroits sur la carte. Puis nous allons y aller. Il y a là, à gauche, il y a là, en bas. Dire, c'est pas comme si effectivement on manquait d'objectifs. La carte est grande. Je pense qu'on est parti pour un bon puzzle, une bonne énigme là. Et mais comme ça fait à peu près une heure qu'on y est, et ben cette énigme ce sera pour plus tard. Voilà, je vais m'arrêter ici et on reviendra donc pour poursuivre dans les égouts.